Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire hebdo « Comment utiliser Khanacademy avec les élèves présentant des troubles de l'apprentissage ». Voilà, le webinaire commencera dans quelques instants à 16h pile. À 16h pile, n'hésitez pas en attendant à mettre en commentaire qui êtes-vous, si vous êtes un parent, un enseignant, une logopède, une ergothérapeute. Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Tu peux y aller. Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire pour expliquer comment utiliser Khanacademy avec les élèves présentant des troubles de l'apprentissage. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et à nous écrire votre profession et la raison pour laquelle vous êtes là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire hebdo qui est un webinaire spécial aujourd'hui puisque je ne suis pas toute seule. J'ai Christelle avec moi et on va parler aussi d'un public bien spécifique qui sont les élèves présentant des troubles de l'apprentissage. Je vois que vous êtes déjà nombreux à nous regarder. N'hésitez pas à nous dire qui vous êtes, comme je vois ici Eleonore, Nunzia qui sont là. Enseignante en mathématiques et puis n'hésitez pas à le dire si vous êtes dans le degré inférieur, degré supérieur ou en primaire ou en secondaire. Ainsi, je pourrai orienter la formation selon mon public. Nous allons démarrer dans quelques instants, donc à 16h pile, comme d'habitude. Voilà. Alors, on est parti, c'est le grand moment. Comment utiliser Khanacademy avec les élèves présentant des troubles de l'apprentissage? Alors, on va commencer par se présenter. Qui sommes-nous? Christelle, je t'invite à te présenter. Ben voilà, moi bonjour à tous. Donc je m'appelle Christelle Colonval. Moi je suis logopède indépendante depuis 7 ans. Je travaille principalement avec des enfants et des adolescents âgés entre 5 et 18 ans. Et depuis le mois de juin, j'ai rejoint l'équipe d'Apedanumabib et je travaille comme responsable de formation. Et toi, Biba, dis-nous un peu qui tu es? Eh bien, moi, je suis chargée de formation Khanacademy ici en Belgique pour Bibliothèques sans frontières, mais j'ai également été professeure de mathématiques durant 3 ans à Bruxelles. J'ai donné cours de la première jusqu'à la sixième secondaire, que ce soit en général ou en technique. Et je suis toujours professeure de méthode de travail en promotion sociale, donc pour les adultes. Ici, toujours à Bruxelles. Alors, je dis déjà bonjour à toutes et à tous, à toutes celles qui ont déjà commenté. Donc, bonjour Éléonore, Nunzia, Karine et les autres qui nous regardaient, parce qu'on est quand même pas mal nombreux. N'hésitez pas à nous dire qui êtes-vous, si vous êtes un enseignant du primaire, du secondaire, si vous êtes un parent, un animateur en école des devoirs ou une logopède comme Christelle.
Voilà, n'hésitez pas à le dire. Et en tout cas, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, je vous invite à les mettre en commentaire et on y répondra oralement au moment voulu ou par écrit, selon la question, bien évidemment. D'accord? Alors, on est parti dans le vif du sujet. Alors, comment va se présenter ce webinaire? On va commencer par les caractéristiques communes aux troubles 10. Ensuite, on partira sur Khan Academy et voir un peu les fonctionnalités qui sont disponibles sur Khan Academy. Et ensuite, on rassemblera tout ça pour voir l'avantage de cet outil avec justement les élèves 10 et quatre utilisations concrètes de l'outil avec ce public. Justement, alors maintenant, je vais passer la parole à Christelle pour nous parler des caractéristiques communes aux troubles 10. Voilà, et oui, comme Habiba l'a dit, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Et donc, qui sont les troubles 10? Alors, je suppose que de nombreuses personnes qui nous écoutent ont certainement déjà entendu parler des troubles de l'apprentissage qui peuvent évidemment toucher de nombreux domaines. On peut le rappeler, la dyslexie, dysorthographie, qui provoque des difficultés de lecture et d'écriture, principalement d'orthographe. La dyscalculie, qui touche la compréhension et l'utilisation des nombres. La dyspraxie, ou trouble de l'acquisition de la coordination, qui concerne principalement des difficultés dans le domaine visio-spatial ou visio-constructif. La dysgraphie, qui provoque des difficultés d'automatisation du geste de l'écriture. La dysphasie, qui touche l'expression et la compréhension du langage oral. Et on n'oublie pas le petit dernier, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité qui touche évidemment et qui provoque des difficultés attentionnelles. Alors, il est quand même super important de rappeler que chacun des troubles peut être isolé, donc un enfant peut uniquement souffrir d'une dyslexie, mais ils peuvent aussi être associés, et là on parle de comorbidité. Donc un enfant dyslexique, il peut aussi avoir un trouble de l'attention, ou un enfant Ouais. dyspraxique, qui peut aussi être dysphasique, malheureusement. Malheureusement. Ok, Christelle, ici, je vois que Christine a posé une question. Elle aimerait savoir s'il y a une solution pour apprendre les tables, j'imagine les tables de multiplication, et pour apprendre à faire des rédactions. Bon, là, il y a deux questions, je pense, mais peut-être un petit mot déjà, un début de réponse. Alors, pour les tables de multiplication, ben, déjà, moi, d'une part, j'aime bien repartir sur de la manipulation, donc qu'ils comprennent bien. Je prends des petits jetons que je mets dans des gobelets, donc on peut vraiment faire manipuler déjà le concept de multiplication. Et puis, pour la mémorisation, moi, j'aime bien utiliser les flashcards. Donc, si vous mettez ça sur Internet, vous allez quand même trouver pas mal de théories là-dessus. Et donc, c'est utiliser les flashcards, donc c'est mettre le calcul au recto et la réponse au verso. Et en fait, de faire ça très régulièrement. Et alors, ne pas faire toutes les tables d'un coup, commencer par 2, 5, 10, les plus simples, et puis rajouter les plus difficiles. On le verra d'ailleurs tout à l'heure dans les quatre utilisations concrètes de Khan Academy avec les élèves 10. Ok. Et alors, pour la rédaction écrite, moi, principalement, j'utilise une fiche. Donc, pas vraiment pour rédiger le texte, mais pour comment se relire. Donc, D'accord. divisé en 7 étapes. Ah oui. Ok. Ok. Merci beaucoup, Christelle. Je peux passer à la suite? Oui. Alors. Alors, comme on l'a vu, les troubles 10, ils sont nombreux et ils touchent plein de domaines différents. Mais on va quand même essayer de tirer un petit peu des généralités et des symptômes communs à tous. Comme on l'a déjà remarqué, les enfants qui ont un trouble d'apprentissage, quand ils sont testés par un professionnel de la santé, il y a un retard de plus ou moins 2 ans au niveau scolaire. Alors, ce retard, il va dépendre de la sévérité du trouble, de ses moyens de compensation et aussi de la présence ou non d'une prise en charge, parce qu'on sait que malheureusement, il y a encore de nombreux 10 qui ne sont pas diagnostiqués. Alors, il est important de savoir que tous ces enfants ont une intelligence qui est préservée. Et C'est vraiment qu'entends-tu très par important. intelligence préservée? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les enfants 10, par exclusion, ils ne sont pas déficients intellectuels. Quand ils font un QI, donc un quotient intellectuel, ils ont une intelligence normale, voire même supérieure aux autres enfants du même âge. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et il faut leur rappeler aussi, ils ne sont pas bêtes. Ils ont une intelligence tout à fait normale. Ok, Donc donc voilà. bien différencier les deux. Oui. C'est C'est très ça. important. Ok. Alors, le deuxième point, c'est la rapidité d'exécution. On l'a déjà observé et on le sait,
De manière générale, les enfants 10, ils sont plus lents que les autres. Ils sont plus lents, mais ils sont surtout plus fatigués, parce qu'en fait, ils sont, pendant toute leur journée, Ouais. soumis à la double ou à la triple tâche, pardon. Et on va revenir sur ce concept un peu plus tard. En plus, la mémoire de travail, elle est souvent plus faible que les autres enfants. Et qu'entends-tu par mémoire de travail? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la mémoire de travail, c'est pas une mémoire de stockage. En fait, c'est une mémoire qui permet de retenir l'élément un court moment pour faire un traitement, pour traiter l'information. Donc, concrètement, hein, à l'école, quand on va utiliser la mémoire de travail, c'est quasiment dans toutes les tâches. En fait, c'est aussi quand l'enseignant va donner un calcul à l'oral et que l'enfant, il doit le retenir et le résoudre. Donc, il y a deux choses à faire. La mémoire de travail, on l'utilise aussi en début d'apprentissage de la lecture. Donc, l'enfant, il va d'abord apprendre à lire des syllabes et puis à des mots de plus en plus longs. Eh ben, à chaque fois, il va devoir retenir les syllabes pour les assembler et faire un mot qui a du sens. Donc ça, c'est vraiment la mémoire de travail, elle est très sollicitée à l'école. Ok, je vois ici que Christine met juste en commentaire lenteur, point d'interrogation. Ici, enfin, on est vraiment en train de faire une synthèse de ce qu'ont les enfants 10 en commun, et Oui. la lenteur est un facteur qui ressort le plus régulièrement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui. De manière générale, Ok. déjà, pour les dyslexiques, dysorthographiques, souvent il y a une lenteur de lecture. Oui. Donc, depuis, ça va ralentir la tâche. Et alors, comme ils accumulent de la fatigue, plus ils vont avancer dans leur contrôle, C'est ça. plus ils vont avoir une certaine lenteur. Alors, j'en ai qui me disent, moi, j'ai pas du tout besoin du tiers-temps supplémentaire, je m'en Ouais, sors bien. voilà, c'est ça. Mais Donc, c'est de manière ouais, générale, on c'est peut de manière remarquer une générale. certaine lenteur. Ouais. D'ailleurs, Éléonore me dit que c'est souvent ses meilleurs élèves, mais qu'ils sont un peu plus lents. Donc, Voilà. Ils voilà. prennent le temps. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, et on passe ensuite à la répercussion des psycho-affectives. Oui, et malheureusement, ces enfants, ils ont souvent une faible estime d'eux-mêmes. Déjà, ils sont souvent stressés et ils se sentent incompétents, nuls, voire même bêtes. Et ça, on l'a déjà souvent entendu là, en bouche des nombreux enfants, peut-être même pas des 10, hein. Mais de manière générale, ils disent souvent, oh là là, je suis bête. J'aurais dû lire correctement. Ben voilà, ils disent souvent qu'ils sont bêtes et ça, c'est important d'en avoir conscience pour les féliciter dès Dès que qu'ils ont fait une possible. bonne action ou dès qu'ils ont un meilleur résultat ou simplement qu'ils ont fait un effort. Parce que ce n'est pas forcément les points qui comptent, c'est aussi l'effort qu'ils ont mis pour faire la tâche. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. Passons maintenant à la double tâche, donc à l'handicap de la double ou multitâche. En fait, si on repense à la notion de fatigue qu'on a vue plus haut, elle peut aussi être expliquée par cette pyramide. Donc, en fait, l'ensemble des troubles 10 qui se trouvent en bas de la pyramide, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils empêchent les élèves de développer leur réelle capacité d'apprentissage. Ce qui se passe, c'est que le trouble 10 ne permet pas une automatisation des tâches de bas niveau, comme lire, écrire, compter, s'exprimer ou réaliser un geste. Et donc, l'effort attentionnel est tellement important pour faire déjà les tâches de bas niveau qu'ils Ouais. n'arrivent pas à accéder aux tâches de haut niveau, comme raisonner, abstraire, planifier, mettre du sens. Et en fait, et malheureusement, ce sont ces tâches-là qui sont évaluées à l'école. Donc ça, c'est vraiment le souci, c'est que ils consomment beaucoup trop d'énergie pour développer leur réel potentiel d'apprentissage. Ok. Est-ce que tu pourrais peut-être donner un exemple vraiment concret, concret? Oui, alors l'exemple le plus simple, c'est celui de la dysgraphie. Parce qu'en fait, l'enfant dysgraphique, il n'arrive pas à automatiser son geste d'écriture. Souvent, ce que je dis aux parents, c'est que l'enfant, il n'écrit pas, il dessine les lettres. Donc, il doit Ok. toujours penser à son geste et faire attention à son geste d'écriture. Et donc, quand il est en tâche d'expression Ouais. écrite, faire attention à faire ses paragraphes, à planifier ses idées, à la ponctuation, à l'orthographe, à sa syntaxe, mais tout ça fait trop. Et il n'arrive pas à vraiment donner ses idées, à faire un texte bien construit, parce qu'en fait, il est tout le temps épuisé par son geste graphique. Et donc, moi, je rappelle toujours aux enseignants que c'est très important de se demander, avec cet exercice-là, qu'est-ce que j'évalue? Ouais. Pour éviter d'évaluer la tâche de bas niveau qui est toujours difficile pour l'élève ou Ouais. pour l'enfant. Ok, je vois.
Je vois. En tout cas, ici, Christelle, il y a une question qui vient de passer. Elle n'est pas tout à fait dans le thème, mais je vais quand même la poser. Nadège se demande si un enseignement spécial 10, comme ça se fait en France, est-ce que ce serait envisageable ici en Belgique? Et Alors, est-ce que ce serait personnellement, je ne bénéfique? connais pas Non. ces enseignements spécial 10. Maintenant, j'aurais quand même peur de les rassembler et de faire un peu ghetto. Ouais. Moi, je vise plutôt l'inclusion Oui. et le fait d'adapter l'enseignement à tous que plutôt dire ben, on va faire un enseignement spécialisé pour les 10. Je Ouais. pense que le plus important, c'est qu'ils soient intégrés et qu'ils se Oui, sentent clair. bien dans la société. Ouais. Donc ça, c'est mieux. D'ailleurs, on tend à l'abolition de l'enseignement spécialisé anti-puit. Donc Ouais. je pense qu'on est aussi dans L'inclusion. l'envie d'inclure tous Tout les à fait. élèves qui ont un trouble d'apprentissage en enseignement. Ok. D'ailleurs, Éléonore rebondit et dit, dans notre école, nous avons la chance d'avoir une logopède qui accompagne ces jeunes, justement, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur raisonnement et non, justement, sur les tâches de bas niveau, en fait. Donc Oui, ça, c'est ce serait chouette. plutôt une solution. Ben oui, ce serait beaucoup plus intéressant de mettre des logos dans les écoles et qu'elles puissent partager son temps Ouais. avec les différents élèves qui en ont besoin plutôt que de faire un enseignement vraiment 10, quoi. Il n'y aurait que Ouais. des 10 dans l'école, ce serait un peu bizarre, je trouve. Ok. Donc voilà. Ok. Maintenant, c'est mon point de vue. Oui. Tout à fait. Ok, merci Christelle. Est-ce que je peux passer à la slide suivante? Oui. Oui. Alors, j'espère que vous l'aurez compris, l'enfant, comme il a des difficultés à accéder aux apprentissages, il est important d'aménager son environnement d'apprentissage. Comme vous pourrez le voir sur ce graphique, un élève 10, il restera toujours 10. Donc parfois j'entends j'étais dyslexique. Non, en fait, vous l'êtes toujours ou l'enfant l'est toujours, c'est juste qu'il a appris à vivre avec. Et donc, en fait, son évolution, elle est plus lente que les enfants dits neurotypiques ou normaux apprenants. Bon, c'est un terme un peu spécial, mais Ouais. c'est comme ça qu'on peut les appeler. Et c'est pour ça que, pour moi, il est important de prôner l'égalité, mais surtout l'équité. Si on observe un peu les images qui sont sur le côté, la première image, c'est l'égalité simple. Ça veut dire on donne la même chose à tout le monde. Bah, en fait, on voit que ça fonctionne pas. Puisque le plus grand, bah, en fait, il n'avait pas besoin de caisse. Et le plus petit, le pauvre, il voit rien du tout. Donc, en fait, celui qui avait un handicap ou une différence, bah, il n'arrive pas à participer à l'activité. Ouais. Par contre, dans la seconde image, on agit en équité par compensation. C'est-à-dire qu'on retire à celui qui n'avait pas besoin et qu'on ajoute à celui à qui il fallait une caisse supplémentaire pour Comme voir le match. par exemple avoir une logopède dans son école et Oui, qu'elle comme soit par là pour exemple, aider. voilà, les services d'aide à Oui, l'intégration, par voilà. exemple. OK. Voilà. Donc, on donne une aide supplémentaire à l'enfant. Alors, on voit, ça fonctionne bien. Tout le monde peut voir le match. Mais en fait, ce qu'on vise, c'est l'équité par l'accessibilité. Ouais. En fait, on voit que si on retire les panneaux et qu'on met un grillage à la place, ben, il n'y a plus de différence entre les enfants et ils savent tous voir le match de baseball et participer à l'activité. Et moi, c'est vraiment ça. C'est prôner l'équité par l'accessibilité, c'est-à-dire donner à tout le monde la même chose, que ces aménagements, ils sont bénéfiques pour tous, tout compte Ouais, fait, tout à fait. mais qui sont nécessaires pour certains. Mais au moins, il n'y a plus de différence. Et donc ça, je trouvais cette image vraiment très symbolique que l'enseignement pourrait apporter aux enfants. Bah d'ailleurs, on verra que la synthèse vocale est par exemple un exemple d'équité par l'accessibilité. Voilà, Voilà, donc en fait, ok. on permet à tout le monde de l'utiliser, mais ceux qui en ont besoin l'utilisent et ceux qui n'en ont pas besoin ne Bien l'utilisent sûr, pas. c'est C'est ça. comme la police Arial 14. Si Ouais. on la mettait dans tous nos documents, bah, les normaux apprenants, bah, ça ne les gêne pas de lire avec une police d'écriture un peu plus grande. D'ailleurs, ceux qui portent des lunettes, bah, c'est encore mieux. Et ceux qui sont 10, eh Ouais. ben, c'est nécessaire pour eux, mais il n'y a pas de différence avec les autres élèves. Et donc ça, c'est Ok. vraiment pour moi le... un peu l'enseignement idéaliste dans lequel ce serait chouette de se trouver. Ok. Ok, ben je crois que là Voilà. on a fait un bon tour, on a bien mis le cadre. D'accord. Alors on va passer à la suite. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou si les questions ont été posées au fur et à Là, mesure. pour le moment, il y a des discussions qui vont dans le sens un peu de ce qu'on a parlé, de
de l'intégration, du fait d'avoir une logo avec. Et puis, il y a un exemple d'une école à Paris. Donc là, bon, c'est un peu hors Un sujet, plus français. voilà. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment. En tout cas, oui, on s'arrête là un instant avant de passer à la présentation de Khan Academy et la prise en main. Mais est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Maintenant, on est parti sur la prise en main de Khan Academy. Et là, c'est un peu, c'est moi qui vais prendre le relais. Alors, Khan Academy, l'histoire de Khan Academy. Alors, moi, je propose toujours de raconter cette histoire, mais pour la raconter à vos élèves, justement pour mettre en contenu et donner un peu de chaleur à un outil qui, par essence, est froid, puisque les outils numériques sont, malgré tous les efforts de graphisme, ça reste un outil froid. Alors, Khan Academy a été créé par Salman Khan aux États-Unis. Et donc, c'est l'histoire d'un oncle et de sa nièce qui a des difficultés en mathématiques, et il propose de l'aider en lui donnant des cours de maths par téléphone. Bon, on comprend bien que des cours de maths par téléphone, c'est pas évident. Du coup, il passe à la vitesse supérieure, il achète une tablette graphique et il commence à enregistrer des leçons. Et par facilité, il les met sur YouTube. Et il se rend compte qu'en fait, il n'y a pas que sa nièce qui a des difficultés en mathématiques, mais plein d'autres jeunes. Et après plusieurs vidéos et des milliers de vues, il se dit qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle il quitte son boulot dans la finance pour se consacrer à la création d'une plateforme qui offrirait l'éducation à tous. C'est la raison pour laquelle Khan Academy est gratuit et qu'il y a plein de choses à apprendre et à s'exercer. Donc, voilà. Chouette histoire, en tout cas. Ben oui, c'est une belle histoire. Ouais. Est-ce que tu trouves que ce serait une plus-value justement pour des enfants qui sont 10? Est-ce qu'ils ont un attrait plutôt pour les histoires ou les mises en contexte? Ouais, ils sont toujours intéressés partout. Je pense Voilà, c'est que comme tout d'office, le quand on monde. raconte des histoires et quand on met en contexte, c'est toujours un peu plus chouette. Et puis, comme on le verra plus tard, je pense important quand on va utiliser Khan Academy de lui expliquer le site, de lui montrer à Tout quoi à ça va fait. servir et donc raconter cette histoire peut avoir du sens, clairement. Donc ça, c'est clair que je rebondis sur ce que tu dis. Apprendre aux jeunes à comment se connecter, c'est aussi gagner un premier combat. Et ça, c'est une des choses que je dis d'ailleurs tous les mercredis à 16h. Une des premières choses importantes à faire avec son jeune quand on se connecte sur Khan Academy, c'est lui apprendre lui-même à l'utiliser, que le jeune soit 10 ou pas. Ça, c'est Oui. certain. Alors, on passe à la suite. Alors, Khan Academy est basé sur la pédagogie de la maîtrise. Alors, la pédagogie de la maîtrise a été développée par Bloom dans les années 60. Donc, c'est une pédagogie qui se base sur des compétences basses et qui permet ensuite d'accéder à la compétence du niveau supérieur. D'accord? Et du coup, la plateforme a été créée sur cette base de pédagogie de la maîtrise. Du coup, quand on suit les parcours d'apprentissage sur Khan Academy, on va inviter le jeune à regarder cette vidéo, puis s'exercer sur le même thème, et puis si c'est maîtrisé, d'aller au thème suivant, etc., etc. Donc, C'est une pédagogie qui se veut positive, oui. puisqu'elle part du principe que chaque élève peut y arriver s'il se laisse le temps et l'effort d'apprendre. Tu voulais dire, Christelle? Donc en fait, c'est juste, enfin, c'est aussi un enseignement du coup qui est très progressif. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Puisque on peut répéter autant de fois que l'on veut la compétence pour atteindre un niveau familier ou maîtrisé. Maîtrisé, c'est vraiment le summum, mais familier est déjà un bon stade, en effet. OK. Et alors, une troisième chose qui est importante à savoir, mais ça, on le verra vraiment dans un instant, c'est la dédramatisation de l'erreur. Donc, l'erreur est particulièrement chez les enfants 10, à mon avis, elle peut être perçue, assez mal perçue, et elle va être, on va avoir envie de la cacher. Ici, sur Khan Academy, on va utiliser l'erreur comme point de départ de l'apprentissage, ou en tout cas, utiliser celle-ci pour rebondir, pour aller voir un contenu, voir comment est-ce qu'on résout l'exercice. Voilà. Donc c'est vraiment une des philosophies de la plateforme, c'est le fait de dédramatiser l'erreur, de ne pas en avoir honte, pour justement la regarder et entamer un processus d'apprentissage.
Voilà. Alors, là maintenant, je vais partir sur la plateforme. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Sinon, je suis partie sur Khan Academy. Alors, me voici sur Khan Academy francophone. Alors, pour l'avoir en francophone, il suffit d'avoir le FR devant. D'accord? Alors, je ne suis pas connectée. D'accord? On me propose d'être connectée ou de me créer un compte. Ici, dans toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer aujourd'hui, il s'agit d'avoir un compte enseignant. Donc, même si vous êtes un parent ici d'enfants dyslexiques, eh bien, je vous invite à créer un compte enseignant pour avoir toutes les actions possibles sur Khan Academy. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire sur Khan Academy? Je déroule l'onglet en haut à gauche et me voici sur tout ce qu'on peut faire sur Khan Academy francophone. Donc, j'ai des maths par partie, j'ai les maths par classe. En fait, c'est exactement le même contenu, sauf qu'il a été remis au bon endroit selon le programme belge. Nous avons des sciences, enfin, vous lisez comme moi de l'informatique, de l'économie. Et puis surtout ici, le guide enseignant, élève, parents, si vous avez une petite question, une petite subtilité sur l'utilisation de l'outil. Alors, je pars par exemple en calcul ici. Et donc, j'ai tout mon sommaire ici du côté gauche avec tout ce qu'on peut faire sur le calcul. Et puis, du côté droit, les chapitres plus développés. Si je clique ici, admettons, sur propriété des opérations, eh bien, je rentre vraiment dans la couche la plus basse de Khan Academy. Et donc, j'ai bien une partie apprendre et l'autre partie s'entraîner. Alors, pour apprendre, c'est quoi? Ben, on peut lancer une vidéo et ça sera une vidéo sur fond noir avec une explication en voix off. Est-ce que ça a un intérêt, Christelle, d'avoir ce genre de vidéo, justement? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ben, l'enfant peut réécouter autant de fois qu'il le souhaite la vidéo. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on sait ralentir le débit de la vidéo, parce que c'est vrai que parfois ça parle un peu vite, surtout pour les enfants dysphasiques. Et puis surtout, ben, l'information, elle est donnée oralement. Donc, on retire cette difficulté de lecture. Donc, voilà. Ok, et alors le fait que ça soit sur un tableau noir et ne pas voir par exemple le professeur, parce qu'on connaît certains tutos où justement le professeur va expliquer devant le tableau, est-ce qu'il y a un avantage justement à avoir une tablette graphique comme ça et poser ses yeux et d'avoir l'explication à l'arrière-plan? Alors ça, je pense que ça peut être une préférence de chacun. Ok. Il y en a qui pourraient prévoir avoir un compte, enfin, avoir une sensation de contact, donc que Ouais. quelqu'un lui parle, et tandis que d'autres, ben, au moins, ils ne sont pas distraits. Ils n'ont Voilà. vraiment que le contenu intéressant sur les yeux, quoi. Ouais. Donc voilà. Ok. Mais je pense que c'est surtout une préférence. Ok, oui, ben pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression que quand même, pour les visuels, ben, en tout cas, ils ont quelque chose pour poser leurs yeux. Et à Oui, pas l'arrière, d'office. pour ceux qui sont plutôt auditifs, en tout cas, il y a les explications à l'arrière. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'ici, ben, on est en train de regarder une vidéo. Et malgré tout, il y a des points qui s'affichent. Donc ici, 263 points. Donc là, ici, c'est vraiment, on est en pleine pédagogie de la maîtrise, c'est-à-dire que bah, on fait l'effort d'apprendre, on passe du temps sur Khan Academy et donc on gagne des points. Voilà. Alors ici, j'ai regardé la vidéo et je vais m'entraîner, m'exercer. Hop. Alors, S'il veut bien partir. oui. Alors, j'ai regardé la vidéo, maintenant je vais juste en face, je vais commencer les unités de numération de 2. Alors, prêt à s'entraîner, montre-nous ce dont tu es capable, 4 questions, on sait dans quoi on se lance. Et ça, on le verra que c'est vraiment un point important de l'utilisation de Khan Academy avec les élèves 10, justement. Alors, on est parti ici. Bon, je vais essayer de gérer ça. Hop. Je mets un 7, je mets un 4, je mets un 0 et je mets un 1 et 1. Peut-être c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est bien. Comme ça, hop. Admettons, je mets un 0, hop. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je vérifie. Pas tout à fait. Pas grave. Pas tout à fait. Et là, j'ai deux options. Je peux soit demander de l'aide, soit continuer. Bon, je continue. Donc ça veut dire que peut-être bon, j'ai juste fait une faute de frappe et tant pis, je continue. Et donc ici, c'est enregistré comme une petite boule grise.
Maintenant, je passe à la suivante. Bon, là, ici, j'espère que ça va aller. Je vérifie. Bon travail. Donc, ça, c'est encourageant. Il y a un petit jingle, normalement. Et donc, voilà. Et surtout, il y a une petite boule verte qui s'enregistre. Ça veut dire que j'ai répondu du premier coup. Je passe à la question suivante. Et là, ah non, cet exercice, je suis bloqué. Et donc, j'ai envie de demander un indice. Je demande un indice. Et là, je peux faire deux choses. Je peux soit cliquer sur la vidéo pour revoir le contenu, soit je demande un indice et là, je vais à chaque fois avoir le déroulé complet jusqu'à la réponse finale. Voilà, alors là, je vais alors, la rentrer. Habiba, je t'interromps Oui? simplement. Il y a une petite question. Est-ce que la plateforme, elle est disponible pour tous les niveaux d'études? Oui, alors ça va de la primaire jusqu'à début université même. Ouais, donc tous les niveaux en mathématiques en tout cas. Alors là ici je vérifie. Évidemment on va me motiver parce que j'ai eu la bonne réponse, mais la plateforme m'a quand même enregistré une petite boule grisée puisque j'ai demandé de l'aide. Donc je vais quand même gagner des points. On me motive pour dire ok c'est pas grave, t'as fait une erreur, mais là maintenant c'est bon. Et donc voilà, c'est enregistré d'une manière différente sur la plateforme. Alors on passe à la suite. Hop, et je prends le dernier, je vérifie et je regarde le résultat. Ok, continuez de pratiquer, 2 sur 4, 250 points, c'est vraiment pas mal. Alors, je rappelle que je ne suis toujours pas connectée. Donc là, j'ai fait ça sans avoir créé de compte. Donc ça veut dire que Khan Academy, c'est vraiment là pour apprendre, hein, c'est gratuit et voilà. Mais maintenant, évidemment, si je ne suis pas enregistrée, que je n'ai pas de compte, eh bien, je ne vais pas pouvoir faire toutes ces actions qui sont possibles sur Khan Academy. Donc, je vais immédiatement me connecter. Donc là, je rappelle que pour ce que je vais montrer, on a besoin d'un compte enseignant. Ça va? Alors, je me connecte. Est-ce qu'il y a des questions en attendant que je me connecte? Et alors, Habiba, on peut Oui. rappeler aussi que même si on est thérapeute, il faut faire un compte enseignant, quoi. Parce que si on veut travailler avec ses patients et leur donner des tâches, il faut absolument ce compte-là, Oui. même si on n'est pas enseignant, quoi. C'est Mais pas oui, c'est grave. ça. Donc, c'est ce que il faut vraiment prendre le côté enseignant sur Khan Academy avec des guillemets. C'est juste que le compte enseignant a des actions qui sont possibles. Et on n'est pas obligé d'être enseignant pour le faire. Voilà. Alors, je clique en haut à gauche sur mon nom. Donc là, ici, c'est Khan Demo. Pour être certaine d'être bien dans le bon type de compte, je vois que j'ai un accueil apprenant. Et oui, même si on est un enseignant, on peut toujours apprendre sur Khan Academy, évidemment. Et alors, on a un tableau de bord enseignant et on a un tableau de bord parent qu'on n'utilisera jamais. En tout cas, à partir du moment où le tableau de bord enseignant s'affiche, c'est qu'on a créé le bon compte. Alors, je vais quand même passer par l'accueil apprenant pour commencer. Voici à quoi ressemble un accueil apprenant. Donc, j'ai le nom. On a le nom du jeune. Il y a un petit avatar qui lui est assigné. On a ses points ici qui s'accumulent et les badges dont on reparlera plus tard. Et puis surtout ici, on a la maîtrise du domaine. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir apprendre et des devoirs qu'on va pouvoir recevoir. À nouveau, les devoirs, il faut les prendre entre guillemets, puisque parfois, c'est ses parents qui vont donner des devoirs à faire, la logopède ou... C'est Peu plutôt importe. des tâches pour s'entraîner, Voilà, quoi. c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Alors, Michel, ça fonctionne tout à fait sur smartphone. J'allais terminer par ça en disant que l'application existe sur PC. Donc, sur PC, il vaut mieux utiliser le site internet, mais sur tablette, que ça soit sur Android ou sur Apple, Khan Academy est disponible en application. Alors, maintenant, je passe vraiment sur la prise en main de Khan Academy et les actions qui sont possibles en tant qu'enseignant, donc ce qu'on peut faire en tout cas sur Khan Academy. Alors, pour commencer, eh bien, je vais créer une classe. Alors là, ici, si vous êtes un enseignant, vous pouvez intituler votre classe, mais si vous êtes un parent qui veut juste être là pour utiliser Khan Academy pour aider son jeune, eh bien, il n'a qu'à appeler ça études à la maison, par exemple, ou études dirigées. Donc c'est tout à fait envisageable aussi. D'accord? Donc là, Habiba, je moi... me permets de Oui? t'interrompre parce qu'il y a une question comme quoi Oui? apparemment les aides et les explications viennent parfois en anglais. Oui, Qu'est-ce j'ai que vu c'est ça. donc? Alors ça, c'est assez bizarre.
Alors, soit c'est parce que vous êtes connecté directement sur le compte Khan Academy en français, mais ça m'étonnerait que ça soit votre cas, ou alors c'est une erreur d'un hyperlien qui s'est mal mis. Moi, en tout cas, je ne suis jamais tombée sur une explication en anglais. Ouais, donc ça peut arriver. Malheureusement, Khan Academy est un, est un est un, une plateforme américaine à la base. Donc, en effet, de temps en temps, il y a des petits couacs, mais c'est assez rare. Ouais. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, j'ai donné un nom à ma classe. Donc là, aujourd'hui, je l'ai appelé APEDA fois Khan Academy. Et alors, ensuite, on me choisit un domaine de cours. Alors là, ici, si vous ne savez pas encore ce que vous allez utiliser, vous pouvez le passer, évidemment. Et puis, si jamais vous avez déjà une petite idée que vous allez utiliser calcul et sixième primaire, vous pouvez les prendre aussi. Il n'y a pas de problème. Ensuite, dans ma classe, que ça soit dans ma classe, parce que vous avez vraiment une classe ou parce que vous êtes un parent et que vous allez travailler avec votre enfant, il va falloir lui créer un compte. Trois possibilités. Moi ici, je vais expliquer celle qui me paraît la plus générale. C'est celle-ci. C'est la création soi-même des comptes, que ça soit pour ses élèves ou pour ses enfants. Pourquoi? Parce que ces comptes ne nécessitent pas d'adresse mail et que c'est vraiment des comptes qui sont uniquement apprenants et qui vont respecter très fort ben justement les lois RGPD. Alors, je vous montre, c'est très simple. Alors, admettons ben, que j'ai Harry Potter dans ma classe. Évidemment, Harry Potter, j'en ai pas mal. Donc, je vais l'appeler Harry Potter. On est le combien aujourd'hui? On est le 14 14. avril. Donc, je vais mettre 14 du 4, du coup. Et ça va. Et évidemment, Harry Potter n'est pas tout seul. Il est avec Ron Weasley. Je pense que ça s'écrit comme ça. Et si c'est pas comme ça, ben tant pis, ça s'écrira comme ça. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est comme un peu tous les sites internet. On choisit un identifiant. Et puis je clique sur suivant. Et là, je peux même choisir un mot de passe. Et là, pour motiver les jeunes, je vais mettre maths facile. D'accord, donc voilà, je peux même choisir le même pour tout le monde, ça ne change rien. Et là, je crée les comptes. Voilà. Alors, pour l'instant, ce n'est pas prévu, je vois Jérôme, ce n'est pas prévu d'apprendre la lecture sur Khan Academy. On travaille vachement sur les sciences en ce moment. Donc ça, c'est un gros projet en ce moment. Alors, je lis un peu les questions, du coup. Alors, ok, voilà. Bonjour Claudia. Alors, voilà, j'ai créé les comptes, je reviens à mes moutons. J'ai créé les comptes. Alors, ici, évidemment, je vous invite à télécharger le CSV pour garder justement les noms d'utilisateurs et les mots de passe, mais moi, je passe. Et voilà, ils sont créés. Je vous invite également à référencer bien où vous êtes, parce qu'en fait, bah, comme ça, on voit si on fait du bon travail ici à Khan Academy en Belgique. Donc, c'est toujours motivant de voir voilà, le nombre d'utilisateurs. Alors, me voilà dans ma classe APEDA Khan Academy et mes deux élèves, Harry Potter et Ron Weasley. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici sur Khan Academy? Eh bien, je vais pouvoir envoyer des devoirs. Et donc là, je clique sur la partie devoirs. Je vais d'abord attribuer. Attribuer des devoirs en sélectionnant du contenu. Alors là, ici, je suis dans la partie calcul, mais à nouveau, je peux dérouler et remodifier le domaine d'études. Alors, ici, en calcul, si j'assigne tout ça, Christelle, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose à faire? Pas du tout. Pas du tout. L'enfant va se sentir noyé avec la quantité d'exercices parce qu'en plus, c'est un domaine et dans le domaine, il y a plein, plein d'exercices différents. Donc, c'est vraiment bien de cibler un ou deux exercices à la fois et de donner une échéance quand même assez longue pour le réaliser. Voilà, alors ici, bah, du coup, j'ai déplié. En fait, c'était vraiment comme Khan Academy. Hein. Khan Academy fonctionne par couche. Et là, on voit bah, que on a les triangles qui symbolisent les vidéos et le crayon qui symbolise l'exercice. Alors, admettons, je vais bah, du coup assigner une vidéo et un exercice. Je l'attribue. Et là, je peux soit choisir les batteries de questions différentes pour chaque élève ou les mêmes batteries. Ça dépend vraiment du type d'activité qu'on compte faire. Ça dépend du contexte. Et puis surtout, on va pouvoir sélectionner des élèves.
Et donc là, hyper intéressant, parce que là, je me dis, ben non, en fait, il n'y a que Harry Potter à qui j'ai envie de donner cet exercice. Et puis à nouveau, on peut choisir une date, ça c'est assez classique. Voilà. Et on l'affecte. Ça veut dire que Harry Potter, quand il va ouvrir son interface, il va recevoir ses exercices. Vous, en tant qu'enseignant, pour vérifier si le devoir a bien été envoyé ou qu'il a été réalisé, je descends juste en dessous et je clique sur Score des devoirs. Et là, je vois bien qu'Harry Potter a reçu une vidéo à regarder, un exercice à faire et qu'il n'a pas encore été réalisé. Voilà. Alors, voilà ici un peu les fonctionnalités qu'on peut faire en tant qu'enseignant sur Khan Academy. On va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je reviens. Et là, ici, qu'est-ce qu'on va voir, Christelle? On va voir un outil vraiment important pour aider les élèves 10, c'est la synthèse vocale. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est? Bah alors, la synthèse vocale, je pense que tout le monde connaît le concept, c'est en fait faire lire avec une voix quand même assez robotisée à notre place. Donc, on fait lire l'ordinateur ou la tablette à la place du jeune pour qu'il ne soit pas pénalisé par une qualité de lecture déficitaire dans les exercices, par exemple, de problèmes. Donc là, on va simplement faire lire. Alors, ce qui est super, c'est que Khan Academy, il est disponible sur n'importe quel appareil. Et sur n'importe quel appareil, on sait activer cette synthèse vocale. Ok, Donc là, on là. va voir à chaque fois chaque outil et chaque utilisation. Ok, donc là, ici, l'idée de la synthèse vocale, c'est d'automatiser la tâche de bas niveau, si j'ai bien retenu. Alors, c'est surtout d'éviter que la tâche de bas niveau, qui est lire, Ouais. et un impact négatif sur la compréhension des mathématiques. Ah, oui, d'accord. Parce que dans les problèmes, on n'évalue pas forcément la compréhension du problème si l'enfant doit lire et qu'il a une dyslexie, par exemple. Ok. Parce que ça peut être des difficultés de lecture et pas des difficultés de mathématiques. Ok, d'accord. Ok, merci Christelle. Alors, on va voir du coup les quatre possibilités d'enclencher la synthèse vocale. Donc là, on a le premier exemple sur l'iPad. Donc, il suffit en fait de sélectionner le texte et d'appuyer sur Énoncer, et l'iPad va lire le contenu. Calculer la somme du nombre de fleurs et du nombre de coccinelles. La somme du nombre de fleurs et du nombre de coccinelles est égale à. Voilà, donc c'est quand même une voix assez robotisée. On s'est changé la voix, le débit, ça c'est sur tous les appareils. J'ai mis sur iPad, mais ça peut aussi être sur iPhone, évidemment. Ouais. Mais attention, pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faut activer Contenu énoncé dans les réglages. Et ça, Alizée va mettre en commentaire Oui, il y de la a, conversation. oui, les en commentaire, il y aura le lien explicatif pour justement toutes les vidéos, que ça soit pour iPad ou là par exemple sur Android, même chose. Donc là, je vais lancer à nouveau la vidéo. Donc là, en fait, on doit d'abord appuyer sur le petit Cette bonhomme. figure est On constituée d'un sélectionne. triangle équilatéral et d'un rectangle. C'est Et puis on pas. appuie sur le play. Voilà. Et en plus, on peut changer les Quel est voix. son périmètre? Oui, Voilà. on peut tout changer. Mais attention, sur Android, il y a une petite faille, c'est que cette fonctionnalité, elle ne fonctionne que sur l'application. Maintenant, de toute Ok. façon, sur la tablette, c'est quand même C'est plus plus simple. ergonomique d'utiliser Voilà. l'application dans tous les cas. Voilà. Mais alors, il y a une petite subtilité, vous le verrez dans les liens qui vous seront envoyés, c'est que sur Android, c'est pas de base. Donc, on doit simplement Ouais. installer des outils d'accessibilité qui sont Ouais. gratuits et puis après les activer pour que cela fonctionne. Là, je vois que justement les liens sont en train d'être posés. Donc, de toute façon, au niveau des explications, donc là, on lance celui sur PC, sur Microsoft Edge. Oui. Alors sur PC, c'est très simple. Donc on sélectionne le contenu et on fait un clic droit pour accéder à la lecture. Quelques heures avant un concours de sculpture sur glace, on prépare les blocs de glace que l'on donnera à chacun des candidats. Pour les empêcher de fondre, on fixe un isolant sur chacune des faces de ces blocs. Alors sur PC, c'est le plus simple. En utilisant Ouais. Microsoft Edge, en fait, c'est déjà de base. Donc on ne doit rien installer. On doit simplement faire un clic droit. Ok. Comme on le voit dans la vidéo. Oui. Quelques heures avant un concours. Alors, hop, je continue. Et sur Mac pour terminer. Sur Mac, c'est aussi simple. On sélectionne le texte et puis on appuie sur Commande L ou le raccourci Vous choisi. demandez de vous en remettre au hasard pour choisir la plante et le pot. Lequel ou lesquels
de ces tableaux peut-on utiliser pour trouver tout Magnifique. Voilà. Alors, évidemment, sur Mac, c'est aussi directement accessible dans l'ordinateur, mais il faut aller activer la fonction. Mm-hmm. Et donc là aussi, dans les liens, vous allez avoir toutes les démarches qui sont à réaliser pour avoir accès à cette fonctionnalité. Ok, merci Christelle. Alors, maintenant, plaçons aux quatre utilisations concrètes, justement, de Khan Academy avec les élèves 10. Alors, on va commencer par la première, Christelle. Donc, d'abord, un des avantages, c'est la durée, le concept de durée. Ça veut dire que avec Khan Academy, on va pouvoir proposer à l'élève 10 des petites sessions d'apprentissage. On le sait et c'est scientifiquement prouvé, c'est beaucoup plus intéressant de travailler par petits modules que de travailler pendant 30 minutes ou même une heure sans s'arrêter. Et donc là, on va pouvoir proposer des petites sessions d'apprentissage. Et en plus de ça, l'enfant, il saura dès le départ combien de questions il aura. 4 questions, ouais. 7 questions. Et elles arrivent une à la suite de l'autre. Donc il en répond à une, puis il en a une autre. Ouais. Il est renforcé s'il a bon, si pas, on lui dit c'est pas grave, réessaye ou prends un indice. Et donc il se voit avancer, c'est beaucoup plus motivant que d'avoir une grande feuille de calcul avec 20 calculs à faire et tous présentés en même temps. Et tout alors il y a une autre aussi utilisation de la durée, c'est qu'en fait dans le tableau de bord enseignant comme tu l'as montré tantôt, ouais. L'enseignant ou le parent, il va pouvoir apprécier le temps que l'enfant a mis pour réaliser l'exercice et le devoir. Parce que généralement, comme aménagement raisonnable, on demande de limiter les devoirs à 30 minutes, mais c'est un peu compliqué pour les enseignants de savoir ouais. Qu'est-ce que l'enfant sait faire en 30 minutes. Et là, il va pouvoir se dire, ben voilà, est-ce que si je donne deux exercices, il y a 14 questions en tout, est-ce qu'en une demi-heure, l'enfant, il est capable de faire 14 questions ou 7 questions? Donc, c'est vraiment, il y a une grande transparence de l'activité de l'enfant sur Khan Academy et ça peut vraiment nous permettre d'aménager son environnement d'apprentissage. Montre-nous un petit peu ça sur la plateforme. Alors, je suis en train de le faire et je me suis même permise de me connecter sur le compte de Harry Potter que je viens de créer. Je vous montre justement à quoi ressemble un compte apprenant. Donc là, je vois bien que je suis Harry Potter 1404 et je vois bien que je n'ai qu'un accueil apprenant. Et donc là, souvenez-vous, j'avais envoyé un devoir et une vidéo. Et donc du coup, le jeune peut se lancer sur la vidéo. Là, il sait combien de temps il va avoir. Mais c'est surtout, là ici, on va commencer un exercice. Donc, comme tu le disais ici, on sait qu'on se lance pour 7 questions. 7 questions. Voilà. Et puis, c'est parti. Donc, elles vont une après les autres. Hein. Donc, admettons, j'espère que c'est... Ah non, là, je vais mettre non quand même pour gagner un peu de points. Pour Harry Potter quand même. Hein. Soyons gentils. Hop, je mets oui. J'espère que ça sera... Et alors, ce qui est chouette aussi, que je n'avais pas forcément remarqué, Abiba, ouais. C'est que quand c'est mauvais, ce n'est pas une boule rouge. Ouais, c'est vrai. Généralement... que le jaune rouge est assez péjoratif. Ouais. Donc là, j'avais pas fait attention et c'est tantôt quand tu l'as signalé que je me dis, ça aussi c'est un point positif, c'est que on renforce pas le fait que tu as échoué quoi. On dit c'est gris, c'est loupé. Mais tout à fait, tout à fait. Là, je suis en train de faire un sans faute pour Harry Potter, mais c'est surtout donc là ici, hop, on est parti, j'ai terminé l'exercice. Youpi. 485 points, pas mal. On a même petit droit à des petits voilà, confettis. C'est chouette. Et donc là maintenant, on va voir, je referme la session d'Harry Potter. Et maintenant, je vais me connecter donc en tant qu'enseignant d'Harry Potter. Et je vais voir combien de temps Harry Potter a pris pour faire cet exercice. C'est ça, hein, l'idée de savoir au niveau de la durée. Donc là, je le répète en attendant que ça charge. La durée, donc c'est aussi de savoir combien de temps ça a pris de faire ça. Et donc là, je retourne sur... Alors là, on... Ah oui, voilà. Hop. Ma classe, elle est où? Et ça nous indice aussi sur le niveau de maîtrise. Donc, ça veut dire que si on voit l'enfant, il a 0, par exemple, mais qu'il a pris 2 minutes pour faire l'exercice, on se doute qu'il a un peu bâclé. Mmh. Et qu'il a fait un peu n'importe quoi. Si on voit qu'il a 1 sur 5, mais qu'il a pris 30 minutes pour faire l'exercice, on se dit, oh là là, le pauvre, il n'a pas du tout compris. Tout à fait. Donc, c'est vraiment, c'est très transparent.
Ouais. Donc là, ici, je suis à nouveau dans ma classe APEDA Khan Academy. J'ai Harry Potter, je vois qu'il a réalisé l'exercice. On le verra après, afficher le rapport, ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ici, si je mets aperçu de l'activité, eh bien, je vais voir que Harry Potter, ben, a pris 1 minute d'apprentissage, qu'il est passé à une compétence supérieure. Et donc, voilà, on voit le temps. Bon, 1 minute, c'est assez court. Mais voilà, si on voit 35, on pourrait peut-être un peu s'affoler. Ou, voilà. Donc c'était ça l'idée, c'était d'un côté on des sessions courtes et de l'autre côté pour l'enseignant de voir ben, le temps que ça a représenté de faire les exercices. Oui. Voilà. Alors on passe à la deuxième utilisation concrète qui est l'autonomie. Alors, en effet, et on le sait, les enfants 10, surtout en début d'apprentissage, ils ont de besoin beaucoup d'aide de leurs parents. Donc, ils les sollicitent beaucoup, que ce soit pour lire les consignes, pour simplement avoir de la réassurance, dire est-ce que c'est bon, est-ce que tu peux regarder. Et donc, cette plateforme de Khan Academy, elle va permettre de développer l'autonomie. Alors, je dis pas clairement qu'il faut mettre du jour au lendemain l'enfant derrière la plateforme et lui dire vas-y, tu fais les exercices. Ce serait vraiment pas bénéfique pour l'enfant. Mais par contre, ça peut lui permettre de développer son autonomie. Au départ, d'être accompagné par ses parents, avec lui sur la plateforme, et puis après, lui dire, ben voilà, tu hésites, ben tu demandes un indice. Tu ne sais pas, ben tu regardes à nouveau la vidéo, etc. Et vraiment, lui montrer comment faire fonctionner, pardon, sa synthèse vocale. Donc, tout ça va développer son autonomie. Et alors, aussi la motivation, puisqu'il y a un feedback direct, donc une correction immédiate, qui lui dit, ben, c'est pas tout à fait bon, est-ce que tu voudrais recommencer? Ou, ben, c'est bon, nickel, vas-y, continue, t'es sur la bonne voie. Donc ça aussi, ça permet de rester motivé. Ouais. Et alors, en parlant de correction immédiate, eh bien, la correction immédiate, eh bien, on peut la voir aussi du côté de l'enseignant. C'est-à-dire, ici, on attribue d'abord du contenu à une certaine personne. Et ensuite, dans le score des devoirs, ben là, je vois qu'ici, Harry Potter a fait 100%, mais je peux également cliquer dessus et afficher le rapport. Bon, là, ici, quand quelqu'un fait 100%, on imagine ce qu'il a répondu, hein, que c'était correct. Mais s'il y a eu ben, des petits couacs où on peut voir les réponses que le jeune a données. Donc ça, c'est assez intéressant de la part de l'enseignant, du logopède ou du parent aussi, d'essayer de Oui. comprendre ce qui s'est De passé. voir ce qu'il a répondu. Et Ouais. aussi, on sait voir aussi, je pense, quand il a demandé un indice. Exactement. Donc là, tu m'as dépassé. Pardon. Donc là, j'essaye de chercher une classe qui est dans le cas et qui pourrait me donner le cas. Alors, je pense que ici, hop, je repasse. Non, pas celle-ci. Voilà. Hop, sorry. Voilà. Alors ici, par exemple, en effet, là, par exemple, je me dis, oui, ben, Marine, là, c'est un peu, voilà, un peu inquiétant. Donc, on clique sur le rapport et on peut voir ben, les réponses qu'elle a données. Alors ici, zéro, ça ne va pas répondre à la question de l'indice, malheureusement. C'est toujours dans le direct, hein, ça, c'est les aléas du direct, hein. Il faut le savoir. Donc là, ici, ben, ce que l'élève a répondu, c'est 5. Et en fait, la réponse était 15. Donc là, on pourrait peut-être se dire, ben, il y a eu un petit problème de clavier. Enfin, voilà. Et puis, on continue, on avance. Bon, là, peut-être entre le 30 et le 6, là, il y a pas C'est une de... erreur de calcul plutôt. Voilà. Donc, on tire ses propres Oui. conclusions, on va dire. Mais voilà, donc c'est possible. Alors, dans le cas où un jeune a utilisé un indice, je vais vous l'expliquer oralement. Ça se passe comme ça. Ça va être enregistré ici gris et par contre ici vert. En fait, il va y avoir une espèce d'ambiguïté. Ça va être enregistré gris du côté gauche et vert du côté droit. D'accord? Comme ça, vous le savez. Parce que je n'ai pas l'exemple sous la main. Voilà, je retourne dans ma classe de départ et on continue pour la troisième utilisation concrète. Alors, on va parler ici de différenciation. Donc, on l'a déjà vu, il y a le fait de pouvoir activer ou non la synthèse vocale. Et donc, ben, ça fait partie évidemment de la différenciation, puisque un enfant peut l'activer comme un autre ne peut ne pas en avoir besoin. Mais il y a aussi
un point qui est quand même assez important pour les enseignants, c'est que l'enseignant va pouvoir assigner des devoirs différents en fonction des difficultés de chacun. Donc, on revient dans l'aménagement Ouais. de l'environnement de l'apprentissage, en fait. Donc, en fonction des erreurs qu'il aura observées dans les devoirs, il va pouvoir soit redonner des devoirs Ouais. similaires, ou même revenir en arrière sur la matière. Et pour ceux qui ont super bien réussi, il va pouvoir les pousser vers des exercices plus avancés. Et en plus, cette différenciation, elle est discrète. On le sait, en classe, c'est compliqué. On distribue les devoirs devant tout le monde. Et Ouais, s'il c'est reçoit ça. une feuille différente, ben, on peut arriver à une stigmatisation ou à des moqueries, ou même l'enfant peut se sentir tout à fait différent. Alors que là, ben, simplement, lui, dans son accueil apprenant, il aura un autre devoir. S'il en parle avec les autres, ben, là, ils le sauront, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, du point de vue de l'enseignant, il sait tout à fait personnaliser les devoirs sans que ça se voit. Oui. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc là, je le remontre hein, sur Khan Academy. Donc on attribue. Dans un premier temps, on choisit le contenu. Donc là, par exemple, je vais changer, je vais aller en sixième primaire. Admettons les grandeurs, l'aire du triangle. Hop, voilà la leçon. Je l'attribue. Oui, ça c'est beaucoup de choses peut-être. Voilà, hop, j'attribue une chose à faire. Ah, bon, allez, je refais un quiz, tant pis. Et donc là, je peux sélectionner que ça soit pour Ron, soit pour Harry Potter, et ça pour tout le contenu qu'on veut. À chaque fois, on peut faire le choix de l'assigner soit à une personne, à plusieurs, à deux, à trois, peu importe. Et du coup, ici, à chaque fois, on voit dans le score des devoirs, ben, qu'est-ce qu'on a assigné à qui, et à chaque fois, un petit V sera affiché lorsque le jeune aura vu la vidéo ou ouvert la leçon, et les points quand il aura réalisé l'exercice, quoi. Oui. Voilà. Alors, et on passe à la dernière utilisation concrète de Khan Academy, c'est les renforcements. La plus importante, évidemment, puisqu'elle a un impact important sur la motivation. Comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants qui ont un trouble d'apprentissage, ils ont souvent une faible estime d'eux-mêmes. Et là, avec Khan Academy, ils vont recevoir des petits encouragements qui sont auditifs, parce que on sait parfois les enfants disent qu'ils vont pas toujours lire, Ouais. même si c'est positif. Ils ont une petite image et ils ont en plus une petite musique. Et en plus, pour tous les efforts sur Khan Academy sont récompensés. Donc, l'enfant ne doit pas forcément réussir pour gagner des points. Tout à Il peut fait. simplement s'exercer. Et donc là, si tu sais Oui, expliquer le bien sûr. système de badges et de points. Oui, alors là, je repars donc là sur Khan Academy et donc là, je vais me mettre sur mon accueil apprenant, parce que je suis également un apprenant sur mon propre compte, hein, et d'ailleurs j'ai pas mal de points à mon actif. Et donc ce qui peut être motivant pour le jeune, c'est déjà le petit avatar qu'on peut changer. Et donc là ici, au moment où en plus il fait le choix de le changer, il se rend compte qu'en fait, il est une petite goutte, parce que, eh oui, quand on commence, on est petit, et au fur et à mesure d'apprendre, eh bien c'est comme le principe des Pokémon, eh bien on évolue. Et vous voyez que là, moi, je suis bientôt à la troisième évolution, ce qui est non négligeable, hein. Je suis assez fière, parce que là, je vois que dans quelques points, il me suffira de quelques webinaires pour arriver à ma transformation future. Alors, on a les points qui sont vraiment géniaux. Pourquoi? Parce que ça peut mettre en avant, en lumière, parfois des jeunes qui ne sont pas les mêmes que dans le carnet de cotes traditionnel, si je puis dire. Parce que ici, sur Khan Academy, on gagne des points en faisant des exercices, en regardant des vidéos, mais aussi en passant d'une compétence supérieure ou quand on a vraiment un peu galéré sur un exercice et qu'on l'a enfin réussi. Et donc, ça peut mettre en avant des différents jeunes, quoi. Je peux pas le dire autrement. Et alors aussi, on a les badges. Et donc ça, voilà, en tant qu'enseignant, si vous commencez à utiliser Khan Academy dans votre classe, de s'intéresser à ces incitants, eh bien, ça va motiver le jeune. Voilà. Et donc on a des badges. Par exemple, passer à la vitesse supérieure et top là. Donc quand on a c'est selon les activités qu'on fait sur Khan Academy, on peut en sélectionner vraiment pas mal. Voilà.
Ok, super. Donc ça, c'était vraiment le renforcement du point de vue de l'élève, mais Voilà. aussi on peut comprendre le terme de renforcement dans un autre sens et d'un point de vue de l'enseignant, parce qu'en fait, comme il y a une grande visibilité des résultats avec le rapport des devoirs, Oui. l'enseignant peut renforcer certaines compétences quand il voit que c'est un peu compliqué pour l'élève. Donc Voilà, il y avait donc là vraiment je d'une reviens. part, il y avait vraiment d'une part l'enfant qui est renforcé pour ses efforts et l'enseignant qui peut renforcer l'élève sur les compétences qui sont encore difficiles pour lui. Donc là, à nouveau, hein, ben, on regarde le score des devoirs ou même dans les cours. Par exemple, un jeune est en train de voir une matière et c'est un peu compliqué, eh bien, on pourrait décider d'utiliser comme support Khan Academy et d'aller lui assigner une vidéo pour revoir la matière et puis en discuter par la suite, le lendemain, une heure plus tard. Oui, on pense aussi aux écoles qui sont équipées d'appareils numériques en classe. Ouais. Ils pourraient aussi utiliser Khan Academy sous forme d'ateliers en classe avec les enfants sur les tablettes, les vidéos en classe inversée où on Tout passe à la fait. vidéo et puis que les élèves doivent expliquer ce qu'ils ont compris. Je pense qu'il y a vraiment pas mal d'utilisation de la plateforme qui peut être envisagée en classe, en devoir et à la maison, quoi. Ouais. Alors, ici, je vois qu'on a plusieurs questions. Donc, Brigitte, pour le moment, on n'envisage pas le français sur Khan Academy. On se concentre pas mal sur les sciences, mais peut-être un jour ça viendra. Mais voilà, désolée, Brigitte. Et alors, Val, je ne sais pas, Valérie, enfin, Val, on ne peut pas ajouter de contenu sur Khan Academy. Donc, Khan Academy est une ressource, que ce soit pour le parent, grand frère, logopède, enseignant, mais voilà, ce n'est pas la panacée non plus, hein, Khan Academy, il ne faut pas faire que ça. Donc voilà, malheureusement, on ne sait pas ajouter de contenu sur Khan Academy. Oui, Voilà, ça alors reste une ressource. voilà, donc moi en tant que Oui. thérapeute, j'utilise pas forcément Khan Academy pendant mes séances. Je vise plutôt la manipulation, etc. Mais par contre, ça m'intéresse pour voir si l'enfant s'est transféré ce qu'on a travaillé en Ouais. séance seul sur un exercice qui est plus scolaire. Et donc, je l'attribue une tâche, il le fait quand il veut, souvent il a une semaine, tranquille à la maison avec maman ou papa, Ouais. ou tout seul s'il est grand et qu'il a appris à gérer sa plateforme. Mais voilà, je l'utilise assez peu, voire pas du tout en séance, mais j'utilise pour me dire, ben voilà, est-ce que ce qu'on a fait en séance, est-ce qu'il a Ouais. bien compris et est-ce qu'il sait le transférer dans un exercice plus scolaire? Donc, D'accord. voilà. Ok, merci Christelle. Alors, on va conclure, hein. En conclusion, eh bien, pour booster la motivation du jeune, eh bien, il ne faut pas hésiter à faire des jeux, imaginer des jeux quand vous êtes en classe, eh bien, jouer avec le système de points ou peut-être des défis en attribuant plein d'exercices. Mais en fait, n'oubliez pas que la différenciation est possible. Donc, on peut envoyer des exercices à différents niveaux aux jeunes. Et voilà, un petit marathon ou quoi. Donc, imaginez des jeux. Alors, je le répète, l'application est disponible sur Android et sur Apple. Attention, la fonctionnalité enseignant, elle n'est disponible que sur la plateforme, sur le site internet classique. D'accord? Et alors, je le rappelle, ben, les apprentissages, les vidéos sont là. Il y en a vraiment beaucoup des vidéos explicatives. Et on peut même envoyer juste une vidéo à un jeune pour qu'il ait comme une bibliothèque de contenu, hein. Et puis enfin, la différenciation, elle se fait dans la partie devoir sur Khan Academy en attribuant le bon contenu à la bonne personne. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour nous. Si vous voulez plus d'infos sur les formations Khan Academy, eh bien, je vous invite à aller sur le site internet de Bibliothèque sans frontières, formation Khan Academy, ou me contacter sur cette adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur les troubles d'apprentissage, ben vous pouvez aussi consulter notre site internet apeda.be et télécharger notre catalogue de formation. Et si vous avez des questions plus particulières sur les troubles, sur l'utilisation de la plateforme, mais plutôt avec un enfant 10, enfin, ou n'importe quelle autre question, vous pouvez contacter Apeda du Mabib à l'adresse mail qui est écrite ci-dessous.
Voilà, alors je vois que Val demande si la formation est gratuite. Eh bien, oui, en tout cas, pour ma part, les formations Bibliothèques sans frontières sont gratuites. Voilà. Alors, APEDA, les formations APEDA ne sont pas gratuites. Elles sont payantes. Maintenant, on donne aussi des formations avec les organismes de formation. Donc voilà, mais tout ça, vous pouvez retrouver toutes les informations Oui, sur le site tout à Internet et fait. vous pouvez aussi nous demander des informations sur les formations, remplir les catalogues, enfin les formulaires d'inscription, etc. Tout est assez clair sur le site Internet. Ok. Merci Christelle. Est-ce que vous avez encore des questions? On reste encore en ligne quelques instants pour répondre à vos questions. Et sinon, ben, c'est la fin de ce webinaire. Et je vous remercie bien évidemment d'avoir suivi ce webinaire. C'était vraiment un grand plaisir de le faire comme ça à deux. Généralement, je suis seule à faire mon webinaire. Et donc là, je suis vraiment contente d'avoir pu partager ça avec toi, Christelle. Oui, c'était vraiment très très chouette. Et j'espère qu'on aura l'occasion de redonner ce webinaire à nouveau. Ben oui, pourquoi pas. Pas encore de date prévue, donc on reste Non. encore en ligne quelques instants, parce que comme il y a un petit décalage, hein, on le sait, on attend encore quelques instants. Sinon, s'il y a des questions qui reviennent plus tard, eh bien on comment? Eh bien, on y répondra par écrit en commentaire. Merci pour vos petits commentaires. C'est vraiment, en tout cas, avec grand plaisir. Donc Stéphane, Christelle, Nadège, Val, Claudia, avec grand plaisir. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions en tout cas. Donc on va s'arrêter là. Au revoir Christelle. Au revoir Abiba, au revoir à tous, bonne journée, enfin bonne soirée. Bonne soirée, oui.